Il s'agirait de stopper, Grey's Anatomy dévoile l'affiche de la saison 19, les fans sont exaspérés, une 19e saison de Grey's Anatomy sera diffusée à partir du 6 octobre. Mais quand cette série s'arrêtera-t-elle? Grey's Anatomy détient le record de la série médicale la plus longtemps diffusée dans le monde. Avec une 19e saison qui sortira bientôt, la série devrait dépasser les 400 épisodes, sauf que ce record ne date pas d'hier. En effet, elle a passé la barre des 332 épisodes en février 2019, dépassant ainsi Urgence en termes de nombre d'épisodes. Mais ce record de longévité n'est pas synonyme de la bonne santé de la série. Car la question de savoir quand Grey's Anatomy s'arrêtera est toujours plus importante à chaque nouvelle saison. Et la réponse semble, encore et toujours, être jamais. Plus le temps passe, plus il semble que la série va en effet durer éternellement. La réalisatrice et créatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, a déjà été interrogée à ce sujet à plusieurs reprises. À chaque fois, elle a répondu que la série ne s'arrêterait que lorsqu'Ellen Pompeo, l'une des actrices principales, déciderait de partir. Sauf qu'Ellen Pompeo a annoncé qu'elle ne partirait pas tant que la série ne prendra pas. « Je ferai toujours partie de la série », a-t-elle assuré. « Je suis productrice dès que j'ai passé deux décennies de ma carrière ici, c'est mon cœur et mon âme. Je ne serai jamais vraiment partie tant que la série continuera. » C'est donc un peu le serpent qui se mord la queue. Grey's Anatomy ne semble pas prête à s'arrêter, d'autant qu'avec une audience encore significative, elle reste un programme rentable pour ABC. Grey's Anatomy, une série qui devient ennuyeuse. Pour autant, l'enthousiasme pour la série n'est pas le même du côté des fans et, même, de certains acteurs. Ellen Pompeo semble elle-même se lasser du programme. Pour la 19e saison, alors qu'elle a toujours été présente depuis la première saison, elle ne jouera que dans la moitié des épisodes. Du côté des téléspectateurs, un certain agacement se fait sentir. Sur Twitter, les commentaires suivant l'annonce de la série ne sont pas très joyeux. Il faut dire stop au bout d'un moment, interminable, j'ai arrêté vers la saison 15, ou encore l'hôpital où l'espérance de vie des médecins est plus courte que celle des patients peuplent les commentaires. Ainsi, Grey's Anatomy continuera-t-elle sur une 20e saison?